Merci, salut et bienvenue pour une autre vidéo de Mastermind. Dans les deux vidéos précédentes, j'ai fait le Mastermind à trois espaces, puis à quatre espaces comme ça, là. Un, deux, trois tags, puis trois espaces comme ça. Là, je suis rendu au Mastermind moyen. Alors, vous dit-il, là, quelque chose comme ça, mais moi, je dis moyen parce qu'il y a cinq espaces. Bon, il a fait un top, comme dans le règlement normal du Mastermind. Mastermind, c'était populaire. En 1967, ça a apparu le Mastermind. Moi j'avais à peu près un an et demi, deux ans, là, quand je suis venu au monde. Puis mon père, il m'avait acheté ça une fois, puis il dit, mais tu as aimé ce jeu-là, tu vas venir plus grand. Puis là, je l'ai aimé. On a joué ensemble au Mastermind. Mais ça prenait deux joueurs, mais... Quand l'Internet est sorti, il commençait à avoir des logiciels de Mastermind. Parce que moi, je suis souvent tout seul pour jouer au Mastermind. C'est fun. Bon, je vais commencer. Là, je fais ma première proposition. Et je vais mettre... toi pas ça. Ma première proposition, c'est noir, mauve. Bleu pâle gris, moi je dis bleu pâle gris, mais je dis toujours gris d'habitude parce qu'il n'y a pas deux bleus dans le mastermind. Bleu et blanc. Je vais commencer ma proposition, noir, mauve, bleu pâle, bleu et blanc. C'est ça le même. Une balle mais mal placée. Donc, nos cartes ne sont pas dedans. Quatre boules sont éliminées là-dedans, mais laquelle? Ça t'en a une mal placée. Il te le dit pas, là. Il y en a juste une mal placée, et c'est d'acide. Bon, là, il faut que je trouve lequel t'es mal placé. Moi, je mets ma couleur préférée au début, bleu. Le bleu normal. Toi, pas rouge, là. Vert, là. Le jaune, là. Et? Il y en a d'autres, j'ai pas joué, là. Il y a l'orange, le mauve, puis le brun. Va mettre brown. Va mettre brun. J'ai ça le même. Moi, je dis la deuxième proposition. Bleu, jaune, brun, rouge, vert. Hein? Ah, ça se fait pas. Il n'y a aucune de bonne. Donc, ces couleurs-là, on n'est pas dedans. Il n'y a pas de rouge, jaune, bleu, vert, puis il n'y a pas de brun. Bon, le bleu-là est éliminé ici. C'est éliminé. Donc, il reste quatre possibilités ici, là. Qu'il soit mal placé, c'est un des quatre. Le seul que je n'ai pas joué, c'est l'orange puis le rose. Là, il va falloir que je répète une couleur qui est en bas. C'est ça que je vais faire. Test, je vais répéter. Je vais répéter le bleu pâle. On dit toujours gris. Moi, j'ai toujours gris, mais c'est bleu pâle. Bon, parce que Tata m'a envoyé un commentaire et il dit c'est mieux de dire bleu pâle que gris. Parce que moi, j'aime. Parce que dans le mastermind, il n'y a jamais eu de deux verts, deux bleus en boule. Là. Ça, c'est des pions, là. Ça s'appelle des pions. Bon, ici, là. Moi, je prédis que c'est la troisième proposition, c'est orange, bleu pâle, rose, bleu pâle, bleu pâle. J'ai ça de main. Deux bien bonnes et bien placées. Oh, attends une minute. Les deux bien placés, ça c'est bon parce que c'est possible que ce soit ces deux-là ou soit qu'il y a un bleu pâle là-dedans. Un des trois. Moi, je prends pas de risque, je vais mettre un bleu pâle là-dedans, tata part. Ça, j'ai tout joué, là. Rouge, jaune, bleu, vert. Rose, orange, joué, c'est joué. Mauve est joué. Brun est joué. Blanc est joué. Noir est joué. C'est tout joué. Puis le bleu pâle est joué. J'ai tout joué. C'est possible que tu as mis deux fois pareil, hein? Ou quatre fois pareil. Ou trois fois pareil chaque. Je vais essayer ça. Fais changement, là. Bon, je vais essayer ce bleu pâle-là, puis je vais mettre tout du rose. C'est possible que ça peut être ça. OK, ça marche, le bleu pâle. Ici, ça serait le bleu pâle puis le rose. La troisième ici avec deux bien placés. Moi, je dis la proposition suivante est rose, bleu pâle, rose, rose, rose. Je laisse ça le même. Deux bonnes bien placées puis une de bonne mais mal placée. Attends une minute. Ça tu dis, il y a deux roses là-dedans?
S'il y aurait deux roses, il y aurait un vide, il y aurait deux vides. Dans la position centre, là. Ou soit il y aurait trois roses. S'il y aurait trois roses, c'est possible. Oui, c'est possible qu'il y ait trois roses. C'est possible que ça soit ça aussi, là. La rose d'or serait mal placée, il irait ici. Lui, il serait mal placé. Bon, ici, là, faut trouver le puis en passé que la rampe soit là. Puis une autre rose. Bon. C'est possible que ça soit pas ça aussi, là. Il y a plusieurs manières, le mastermind, là. Je vais essayer, ça peut pas être le bleu. Sans le blanc, le mauve ou le noir. Parce que si tu dis que la plupart est là, là, ça va m'aider ici. Et d'où mettre le noir? C'est pas une couleur que j'aime, mais où je mettrais le mauve? Moi, j'aime bien le mauve, mais j'ai décidé de mettre le noir, donc. Moi, parce que ça marche ici, ça serait le noir ici, mal placé. Le deuxième essai, il n'y a rien qui ne rentre pas là-dedans. Donc, le troisième essai serait l'orange et le rose bien placés. Le quatrième essai, ça serait deux roses bien placées. Le rose-là serait mal placé, il irait ici. Je laisse ça de même. Moi, je dis que la proposition suivante, je dis que c'est l'orange, rose, rose, noir, rose. Je laisse ça de même. Terre à la bonne position. Ah, j'ai fait l'avoir, hein? Donc, c'est pas la noire. Là, ça m'a aidé tout de suite là-dedans. C'est entre la mauve ou le blanc. Je sais que c'est forcément trois roses. Je sais que les trois roses sont là. Bon. Moi, si t'as le mauve serait là. C'est pas ça, c'est le blanc. Ou le blanc. Moi, j'essaie le blanc. OK. Moi, j'ai mis le blanc en haut, là. C'est ça, ça serait le blanc mal placé. Si c'est pas ça, si c'est au tac, c'est forcément cette couleur-là, ici, le mauve, là. C'est notre une, parce qu'il y a autant de couleurs qui correspondent au tas d'en haut. En haut, ici, là. Il y a autant de couleurs qui matchent, donc notre une. Bon, ici, troisième essai. Orange, rose. Bon, quatrième essai, ça serait deux roses. Ça serait le troisième rose, ce rose-là, puis ce rose-là. Serait bien placé. Le rose mal placé, c'est ce rose-là. Donc, il réussit. Bon, cinquième essai, ça serait orange, rose, rose, rose. Le blanc. Moi, je dis que la proposition numéro. Il y a deux possibilités, hein. Il y a deux possibilités. Soit c'est le blanc ou la mauve. Moi, je dis que la proposition est orange, rose, rose, blanc, rose. C'est dit tac, c'est le mauve. Je laisse ça de main. Well done, je l'ai eu. J'ai vu comment j'ai fait pour la trouver. Parce que ça pouvait être ça aussi, ça pouvait être là, ça, ce bleu pâle-là. Puis là, j'ai mis trois roses, puis là, je l'ai eu. Bien placé, puis bien placé là. Là, je regarde ici, puis je vais voir les essais précédents. C'était le bleu pâle, mais c'est pas le bleu, c'était le blanc. Il allait là. Ici, on le voit bien, c'était ça. C'est ces deux-là. Je m'en doutais que c'était ces deux-là. Là, il y avait trois roses ici, là. T'étais bon. C'était celle-là, puis celle-là. Mal placé, c'était celle-là. Là, j'ai fait ces tacs-là. C'était bien placé. Puis ça, j'ai fait tout ça, je vais les trouver. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous retrouver dans la dernière vidéo avec six espaces, avec toutes ces couleurs-là. À tout de suite.